Salut, et oui forcément si je ne branche pas le micro, salut et bienvenue pour cette nouvelle édition de Full Set Mega Drive. Donc sur Jurassic Park Mega Drive, développé par Blue Sky Software. Alors Blue Sky, c'est une société qui appartient à Interplay et qu'on connaît aussi pour les Joe Montana Football. Très jolie cinématique quand même. Pour Joe Montana ou pour Vectorman. Ils ont fermé en 2001 quand Interplay commençait à battre un peu de l'aile. C'est rigolo parce que du coup, hier on faisait Boogerman et Boogerman était développé également par Interplay, donc on reste un peu sur le même truc. Je voulais faire ce jeu, ce que Defray a fait la version Super NES qui était eux développés par Océan, donc deux jeux quasiment identiques, enfin deux jeux sur la même licence, on avait des jeux différents, ce qui était vraiment intéressant à cette époque-là. Donc on va jouer Alan Grant avec un jeu avec un gameplay différent. Donc j'ai un taser, comme les CRS, et je vais taser, voilà. Donc dans le film on faisait des câlins au Triceratops, maintenant on les tase. Alors, je me rappelle de ce jeu. J'en ai pas forcément des bons souvenirs. Des petits soucis de savoir où sauter ou quoi. Ou savoir qu'est-ce qu'était une plateforme. Donc, oula, 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 foutez-moi la paix, vous. Barre-toi. Allez, lâche-moi. Allez, fous-moi la paix. Voilà. Des petits soucis de gameplay. Et lui, en fait, donc toute la jungle m'en veut. C'est quand même beaucoup plus bondé que dans le film. Hein. Il y a plus de dinosaures. Alors, au début, on avait Jeff Goldblum qui demandait si on avait vraiment des dinosaures dans ce parc de dinosaures. Ben, là, il y en a. Et en plus, j'ai faire gaffe parce que j'ai quand même les balles limitées. Ok, je les endors seulement. Ah, il est gentil, ce professeur Grant. D'ailleurs, merci, Dr. Jones, pour le follow. J'espère que tout le monde va bien. Ah, on a aussi. Ok, Hétérodactyle, il s'est barré, ça va. Ok, non, il faisait que. Alors. Voilà, c'est ça que j'aimais pas en fait, la glissade. Bah écoute, merci pour le Boogerman. Alors c'était sympa. C'était plus sympa peut-être à regarder qu'à jouer. Oula, les pics, je. Je suis content d'y avoir échappé. Ok, en fait, ouais, ils m'en veulent tous. Alors, comment on change d'arme? J'ai une mallette, donc j'ai une mallette 6 boutons. Ok, on change d'arme avec le bouton A. Bouton A pour changer d'arme, bouton B pour tirer, bouton C pour sauter. Tiens, voilà, vas-y, Claude François. Alors, à la demande générale de Terry, j'ai passé donc le chrono à 20 minutes. Donc la barre de vie que vous voyez, donc hop, là juste au-dessus de moi, c'est le temps que l'on va jouer. Ok. Ok. Non! Ah, ça me tue pas. Ok. 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 Ouh, ouh. Alors, où est-ce que un petit côté flashback, je trouve, dans la jungle et dans le gameplay. Et donc voilà, je disais que c'était un peu le bad guy des Jurassic Park, celui-là, parce qu'on pouvait jouer un raptor, quoi. C'était quand même la méga classe à l'époque. Tiens, tu vas crever, oui. Je suis en train de bouffer toutes mes grenades, mais. Et non, je veux pas bouffer mes grenades. De quoi, attends? Comment je. Bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est le troisième stream que je fais, hein, Dr. Jones, donc. Non, oui, bah en fait, oui, c'est normal que ça va. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de stream. Et là, on va profiter. Ah, je peux m'accrocher à ça? Ok, je peux m'accrocher à ça, mais c'est chiant.
Ouais, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de stream. Et là, avec Defray, on s'est dit. On s'est dit que ces petits dinosaures me faisaient chier et que j'avais encore changé d'arme. Mais ils changent tout seuls ou quoi? Ah, ok, j'ai plus de taser. Tu veux pas te raccrocher. Et du coup, on s'était dit que oui, que c'était le bon moment de. De relancer un peu ça, quoi. Ah, c'était trop. Oh, il me fait recommencer là, le salaud. Ah ouais, non, bah, du coup. Vas-y, viens, je t'attends. Ok, lui aussi, attendez. Je me suis fait violer. Ah! Je me suis fait violer par un triceratops, ça fait mal. Voilà, hop. Les pics. On va changer d'arme cette fois-ci. Pourquoi tu bouffes les fléchettes, mais alors à une vitesse. Alors. Hop là. Donne les fléchettes à papa. Hop, on regrimpe. On se croirait dans Oddworld avec le bruit que font les ptérodactyles. Alors j'ai pas l'impression que les pics me fassent mal, c'est peut-être une fausse impression, enfin je... Il n'y a pas vraiment, c'est dommage, il n'y a pas un bruit ou un clignotement qui me signale la douleur de... Non, non! Voilà. Alors, entre eux, ils te laissent pas le choix, quoi. Tiens! Au vol! Je sais pas comment je l'ai faite celle-là. Ok, alors faut que je reste sur haut et diagonale pour pouvoir m'accrocher aux lianes. Les contrôles sont pas tip-top, quoi. Allez, vas-y, passe. Voilà. Ouais, d'accord. Non, 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 saute pas, toi. Voilà. Fais dodo. Bon, tant pis pour les grenades. Alors. Ok, cette fois-ci, je suis pas mouru. Je peux pas sauter là. Ok. Ouh. La vie, ça va faire du bien. Dors. Hop. Allez. Allez. Saute. Allez, saute, Alan. Allez, Grant. Bon, il veut pas sauter. Alors, on va essayer d'éviter les cailloux. Alors on va savoir pourquoi je ne glisse pas là. Et là je glisse. Alors il existe trois. Alors Blue Sky s'était occupé. Ok, le caillou il était pour ma gueule. S'est occupé de la version Game Gear et Master System aussi de Jurassic Park que je connais pas. Hein. Ok, alors le Triceratops, les fléchettes, il en a rien à foutre. On va passer par là. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, alors le saut, le à la fois. Le pétard le passe. Voilà. On va monter.
Hop là. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Oula. Excusez. Hop. Petite trousse de soins. Ouais, alors. Il est pas évident. Il y a un truc genre Jurassic Park là, j'aimerais bien le choper. Qu'est-ce que c'est? Non, je peux monter. Parce que bah, tu sais pas où tu vas, quoi. Voilà. Pas rien. Oh non, sérieusement? Ah, mais il est super punitif, quoi. Ah non, mais, hey, non, mais tu me fous la paix? Ouais, d'accord. Ouais, hop, on se trace. Non, non, ouais, vous allez me foutre la paix, vous. Hop. Et allez, sérieusement, tu dors plus, toi? Et je vous rappelle qu'on est en easy, là. Casse-toi! Et j'arrive pas à sauter. Voilà, je sais pas. Des fléchettes. On a profité du confinement à la maison pour se faire le marathon Jurassic Park également. Bon, le premier reste quand même le meilleur, hein. Le premier reste bien le meilleur. Tiens! Bon, je crois que ça peut être le premier niveau du coup. C'est une sensation qui est très casse-gueule. Je sais pas si c'était volontaire, mais quand tu t'accroches aux lianes, t'as l'impression que tu vas te péter la gueule à tout moment. Pars-toi. Ouais. Alors. Tata, continue à avancer, toi. Fais dodo. Hop, la branche qui se pète la gueule. Ouh! Hop là. Ok, on va continuer à descendre du coup. J'ai compris. Il y a l'air d'y avoir plusieurs passages possibles. C'est la surprise, hein, je sais. Je descends en tout cas, mais. C'est bon ou c'est sans fin? Du coup, c'est. Faut que je passe à... Faut que je passe par là, ouais. Sinon, ça recommence à zéro. Donc là, on a dit qu'il n'y avait rien, donc on pouvait descendre. Voilà. Et on va éviter le boulet. Donc c'est du die and try, hein, clairement. Hop là. On va sauter pour éviter les pics. Hop là. Mais tu vas fuir. T'as pas marre, ouais. Voilà. Mais alors je bouffe tes. C'est moi, hein. Je suis trop vénère sur les fléchettes, hein. Hop, donc. Ok. Oh, donc. Tu lui marches sur la tête et pas sur le corps. Dommage. On va relancer le jeu et voir. Normalement, est-ce qu'on peut choisir dès le début pour jouer le Raptor? Je sais plus. Et ouais, je suis mort. Player. Yes! Allez, on va voir. J'ai bien choisi le Raptor, hein. Ouais, on va jouer avec le Raptor. Tout l'intérêt du jeu, quoi.
Ah, c'était classe. C'était classe. Allez, hop. Allez, on va manger du dinosaure. Le contrôleur, il a le raptor qui fait des coups de pied sautés. Donc voilà. C'était quoi? C'était Riptor, non, qu'il y avait dans Killer Instinct. Il y a des colonial troopers d'aliens. Et ils sont plutôt bien équipés, ces enfoirés. Hop. Alors, on mange pas d'humains, par contre. Hein, vous voyez, il a un bon saut, le raptor. Voilà. Ok. C'est pas mal, les coups de pied sautés. D'ailleurs, il y a une chanson qui est sortie il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelle Clever Girl, qui est entre guillemets parodie. Alors, ok, le bouton 1 d'un coup, ça sert plus qu'à rugir. Donc, ça s'appelle Clever Girl, que je vous conseille, qui est très sympa. Alors, ok. Tiens! Ah, oh merde. Tiens, c'est le raptor kung fu quand même un peu. Attends, il y a un bout de poulet là. Voilà. Sérieusement? Alors par contre, te faire recommencer au début du niveau à chaque fois, c'est un peu relou, les gars. Et alors, y a rien pour éviter... Pour éviter les trucs, hein, si tu sais pas exactement où ils sont. Tu vois, là, genre, comment t'es obligé de t'en prendre au moins une, quoi. Tiens, coup de pied, là. On se malin, là. Alors, est-ce que je peux... Hop, qu'est-ce que je peux... Non, je peux pas. Ok. Tiens, hop. Je suis vraiment obligé de me prendre les coups, quoi. Donc on va pas faire la même connerie et sauter. Donc, si tu pouvais arrêter de sauter dans tous les sens, mon kiki, ça serait pas mal. Là, on va aller bouffer lui. Hop, et on va aller sur plateforme. Non, et en plus il y avait Grant. En plus, tu rends dégueulasse, enfoiré. Tiens. Ouais, je saute comme un caca. Tiens. Alors, on va essayer de rejoindre au moins Grant. Ça serait pas mal. Parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Il nous reste 10 secondes. Sur le chrono. Hop, on y est presque. On y est presque. Alors, essaye au moins de rejoindre Grant. Ah, toi, tu. Tiens, coup de pied sauté. Hop. Ok. Et on a au moins fini le premier niveau. Au moins pour le premier niveau pour ce soir. Donc écoutez, merci d'être passé. C'était donc Full Set Mega Drive sur Jurassic Park. Et puis on se retrouve pour la prochaine mission. Allez, à bientôt.